Moi, quand je me présente dans un réseau d'entrepreneurs, je veux qu'on retienne que je m'appelle Fanny et que je fais du pitch. Tu as de fortes chances que si tu te souviens de ça, mais que t'as pas eu le temps de me parler pendant la soirée et que tu me recherches après, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que tu tapes Fanny Pitch, il y a de fortes probabilités que tu puisses tomber sur moi. <music> Euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de pitch qui durait euh, 1000 ans et, et, et qui était du coup pas du tout impactant, c'est quoi la bonne durée d'un pitch du coup pour toi Oui ça dépend du contexte, on va dire que 2 minutes 30 c'est pas mal 2 minutes 30 pour un pitch commercial 3 minutes max, c'est à dire que on va squeezer la partie business plan, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formats. Il y a le pitch deck qui permet aux startups ou gens qui, aux, aux personnes qui veulent lever des fonds, faire des campagnes un peu de crowdfunding ou qui veulent avoir des financements. Eux, ils sont obligés de mettre la vision de la boîte, le business plan, ils sont obligés de mettre des chiffres où est-ce qu'ils se voient euh, en 2025, en 2030, euh, combien de chiffres d'affaires ils feront, combien d'employés ils auront, bref, ils sont obligés de mettre un peu de, de, de détails. Donc, c'est ce qu'on fait avec les startups. Maintenant, euh, un pitch commercial, quand... Tu veux juste vendre à ton audience, à tes prospects. Euh, tu as besoin, je ne sais pas, sur tous les supports possibles. Parce que, en fait, moi, je travaille d'une façon où ton pitch, tu peux le moduler. Tu peux l'avoir sur tous les supports. Tu peux l'avoir sur ton site Internet, tu peux l'avoir en podcast, en YouTube. Tu peux faire un reel, tu peux faire un post, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as une structure de pitch que tu peux moduler un peu partout. Donc, ça, c'est assez cool. Et ça, généralement, ça dure ouais, 2 minutes 33 minutes. Pour avoir ton storytelling dedans, ta mission, ce que tu fais et un chouia de comment tu vas nous aider. Mais j'aime pas trop dire ça parce que quand je demande le comment, on me met une tartine. Bah oui, alors comment bah Alors voilà, il va y avoir huit modules, le coaching, le nana, tout ça, on s'en fiche un peu. Ça, c'est après qu'on le dit. D'abord, nous, ce qu'on veut, c'est susciter l'attention. On dit un peu le comment on va travailler, c'est-à-dire bah, grâce à un accompagnement de coaching personnalisé. Voilà, point. Et une fois que la personne est intéressée, elle dit ⁇ Ah, bah, c'est intéressant, ton pitch, il était trop bien, il m'a donné trop envie d'en savoir plus ⁇ Là, on donnera les détails de ce que l'on vend. Mais ça ne sert à rien de me détailler les produits, les services, les comment. Euh, voilà. Donc, euh, <laughs> donc, ta question, voilà, c'était ça, la, la durée. Et ensuite, il y a un tout petit format qui s'appelle l'Elevator Pitch, qui dure 30 secondes. Là, c'est si vraiment tu dois impacter rapidement euh, et si tu n'as pas vraiment le temps. Tu vois, dans des réseaux d'entrepreneurs, souvent, quand on vous dit on va faire un tour de table pour se présenter, là, tu n'as quand même que 30 secondes. Tu vas pas faire ton pitch de 2 minutes 30 avec toute l'histoire et tout le tralala. Euh, <laughs> tu as 30 secondes. Bonjour, je m'appelle Fanny Lesprit. Euh, J'ai 33 ans. Je viens du sud de la France. Aujourd'hui, je suis coach dans le pitch et la prise de parole en public. J'accompagne les entrepreneurs à blablabla. Bla bla. Tu vois, je dis j'accompagne à faire quoi Si vous voulez en savoir plus, euh, on peut se, on peut discuter juste après. 30 secondes, c'est précis, c'est concis, on va droit au but. Ça donne juste envie, ça donne juste, tu vois, l'envie le, le, euh, voilà, d'aller creuser un peu plus. Mais ça, tu sais que ça, c'est un exercice hyper dur pour les entrepreneurs dans les réseaux. Parce que déjà, ils ont le track, parce que tout le monde te regarde. Donc déjà, hein, le track, et ensuite... Tu vois celles où c'est pas précis dans leur tête où c'est pas concis, tu vois le jette qui à faire quoi ou je vends si à tra... enfin tu vois c'est et c'est simple dans l'elevator pitch, il faut qu'on retienne au moins deux éléments impactants de toi, c'est-à-dire que moi quand je me présente dans un réseau d'entrepreneurs, je veux qu'on retienne que je m'appelle Fanny et que je fais du pitch tu as de fortes chances que si tu te souviens de ça mais que tu n'as pas eu le temps de me parler pendant la soirée et que tu me recherches après que ce soit sur les réseaux sociaux sur internet et que tu tapes Fanny Pitch, il y a de fortes probabilités que tu puisses tomber sur moi. Fanny Pitch euh, Toulouse sud de la France tu vois il euh, y a de fortes probabilités que tu te me retrouves mais si je t'ai pas assez impacté pendant ces 30 secondes là et que je ne me souviens pas de toi ben c'est fichu en fait ça veut dire que Ouais, il y avait une nana qui faisait ça, mais je sais plus comment elle s'appelle et je me souviens plus le nom de sa boîte. Tu vois Toi, c'est simple, c'est Eleonore Petite Pousse, tu vois. C'est vraiment, faut que ça rentre, euh, tu vois, dans le cerveau. Il faut vraiment être clair sur ça, insister sur ça quand tu le dis. Et là, on peut retenir, ah oui, Eleonore, elle a un podcast qui s'appelle Petite Pousse, tu vois. Et en fait, euh, en fait c'est vraiment ça qu'on a besoin dans les, euh, dans les 30 secondes hyper clair et effectivement on voit qu'il y a deux, deux grands types de pitch. Il y a comme tu dis le mini pitch quand tu es dans des gros événements et que les gens ils n'ont pas besoin de connaître toute ton histoire et il y a le pitch que tu vas faire plutôt à des partenaires, des potentiels clients où là tu vas en dire un petit peu plus mais ce que je retiens de ce que tu nous as partagé c'est vraiment de, de susciter l'attention et on rentre pas du tout dans le détail tout de suite. quoi. Exactement, ouais c'est ça. C'est ça. Et je prends souvent un exemple parce que tu vois, c'était dingue. L'autre fois, je me... il y avait un réseau d'entrepreneurs. Prends cet exemple parce qu'il m'a marqué En fait, j'avais une amie qui euh, venait d'accoucher de son bébé, et la nana se présente dans le réseau et elle dit un truc du genre "Oui, moi j'ai monté une marque qui s'appelle Badabouille, qui est euh, des, euh, des, petits, euh, des petits trucs pour les bébés, euh, que ça soit euh, la petite couverture, la petite trousse de toilette, tout pour les bébés. Je fais ça création main. Et ça m'a marqué parce que en même temps j'avais ma copine qui était en train d'accoucher. Et du coup, tu vois, le mot badabouille, c'est resté. J'ai recherché sur Instagram et je lui ai fait une commande. Alors que, dans ce réseau, peut-être d'entrepreneurs ou ailleurs, je connais d'autres marques qui font des choses pour les bébés et pour les enfants. Mais ça m'a marqué tout de suite. Elle était en face de moi. J'ai retenu, j'ai pris l'info et j'ai convaincu mes autres amis avec qui on allait faire un cadeau commun d'aller tout commander chez elle. Alors qu'il y a déjà d'autres marques, tu vois. Et j'ai retenu ça, ça m'a marqué. Et donc voilà, égal, euh, as été assez impactante entre guillemets. Et ben euh, bam, commande euh, client et euh, tout ce que tu veux. Ouais, c'est génial. Ça montre à quel point un bon pitch justement, ça peut euh, bah, tout changer en fait, parce que c'est la première rencontre qu'on fait avec quelqu'un. C'est ça. Elle aurait dit quelque chose du genre, oui, euh, je fais de la couture avec des petites choses pour les bébés. Et eh ben j'aurais pas percuté, tu vois. J'aurais pas eu le truc, j'aurais pas commandé chez elle, je pense que j'aurais recherché, j'aurais laissé mes amis euh, genre chercher. Oui, euh, faut qu'on cherche un cadeau, euh, on aurait acheté ça dans une, tu vois, dans une grande euh, enseigne et basta, tu vois. Alors que là, je pense qu'elle a eu les mots pour me percuter assez et puis te toucher dans l'émotionnel aussi en racontant peut-être une partie de son histoire, euh, le, la partie storytelling. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle a répondu exactement aux besoins que j'avais à ce moment-là, qui était de chercher un cadeau pour les nouveau nés euh, et un cadeau joli, sympa. Elle nous a donné l'ambiance de la marque euh, et pourtant elle n'était pas si à l'aise que ça en prise de parole en public, tu vois. Moi, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que travaille toujours les deux parce que ça sert à rien d'avoir un super pitch magnifique incroyablement génial si derrière ta prise de parole en public si euh, tu n'arrives pas à convaincre avec les mots euh, si la forme ne suit pas moi je fais vraiment le fond et la forme et inversement tu peux être un grand communicant mais avoir un pitch qui est pas du tout structuré qui est vide et qui donne pas envie tu vois et pourtant euh, tu as l'éloquence tu as euh, la façon de convaincre qui va avec donc moi ce que j'aime bien c'est quand on bosse les deux en même temps, euh, vraiment. C'est-à-dire que je veux que mes, mes clientes, mes entrepreneurs, euh, femmes que j'accompagne, elles bossent la structure, mais non seulement elles se révèlent aussi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Révèle ton potentiel, parce qu'il y a ce truc de se révéler. C'est-à-dire, OK, c'est pas seulement le pitch, c'est je vais m'ouvrir, je vais dire les choses, je vais avoir du charisme, je vais convaincre. Et euh, sans en faire des caisses non plus, mais rester soi-même, mais quand même y mettre un peu la forme. Et je trouve que ça, quand tu allies les deux, quand tu additionnes les deux, le fond et la forme, ben, tu peux que marquer les esprits et on est obligé de se souvenir de toi, quoi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'esprit coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.